It's been a long time that I saw you, my friends. Alright. On est en direct. Je vérifie si le son est bon. Voyons voir. Alright. Super. Excellent. Welcome. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. It's been a long time. J'ai délaissé un peu Twitch dans les dernières semaines. Mais je me suis dit que tant qu'à avoir la COVID, d'être enfermé à la maison, d'être en isolation, d'être un humain responsable, ben pourquoi pas se faire un petit Twitch, un petit quickie, un petit rapido sur le Dynamite de ce soir, le tout premier Dynamite de 2022, alors qu'on va avoir Hangman Adam Page contre Bryan Danielson 2 et Lucha Bros qui vont défendre le championnat par équipe face à Jurassic Express. Bref, une grosse carte ce soir. Il y a la finale aussi du TBS Women's Championship avec Ruby Soho contre Jade Cargill. Ouais, j'ai dit que ça n'a pas fait l'unanimité de mes amis de la révision des comptes de la lutte, là, que Jade Cargill allait gagner le championnat. Donc, à suivre pour ce soir, bien hâte de voir ça. Également, sûrement que MJF va être là, CM Punk. Il y a même Aleister Black qui a teasé qu'on allait connaître un nouveau membre de son équipe. Est-ce que Bray Wyatt va finalement débuter ce soir? Salut, Mick Québec! Welcome aboard! Donc, on va se faire un petit quickie, une petite simulation, parce que je suis vraiment, mais vraiment embêté sur les prédictions ce soir. On dirait avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, avec Bryan Danielson, avec Hangman Page, je sais pas qui va gagner. Je ne sais pas non plus qui peut gagner entre Ruby Soho et Jade Cargill. Ça fait 2 ans qu'on travaille très fort pour monter Jade Cargill. Est-ce qu'on va la faire perdre ce soir? Est-ce que Ruby Soho va être la consécration de son arrivée à la All Elite Wrestling? Fait que bien hâte de voir, c'est une grosse carte ce soir. On va simuler juste 2-3 petits combats ensemble, là. Ça va mettre la table, puis après ça, rendez-vous à 22h. 22h15 sur la révision des comptes de la lutte, où on va analyser ce show-là avec mon ami Benny's Money et Guillaume du podcast C'est juste de la lutte. Juste reconfirmer 2-3 petites affaires sur le Dynamite de ce soir, s'il y a quelque chose qui m'échappe, parce que Cody Rhodes contre Sammy Guevara, ça va être samedi au Battle of the Titles, Battle of the Belts. Salut Yann Le Farfadet, salut, ça va bien, oui. Ah, l'homme aux 1000 micros, t'es pas mal blanc. Ah, mais c'est correct. J'ai une lumière, j'ai pas mon setup habituel, là. Je suis comme dans mon salon à la maison, là, donc c'est pour ça que je me suis pas installé. On n'était pas supposé avoir un nouveau stage set avec le TBS? Peut-être. Peut-être. Ok, c'est ça. Je vais voir. Ah oui, c'est vrai. Puis Jericho va être de retour ce soir. Une déclaration pour les fans. La première fois sur les ondes de TBS depuis 1999 pour le Ayatollah of Rock'n'Roll. Là, mon mes accomplissements, ça va bien, ça va bien. J'ai pas le goût, j'ai pas l'odorat, c'est tout. J'ai connu une vraie grippe d'homme 31 décembre, 1er janvier. Le 2, j'allais mieux. J'ai parlé trop vite. J'ai perdu le goût. J'ai perdu l'odorat. Donc, too bad. Sinon, ça va. Toi, ça va, G-Petit 89? L'entrance est la même, hein? J'ai rien regardé jusqu'à présent. On va y aller avec un premier petit combat. Il me semble que Tony Khan parlait d'un nouveau stage. Ah, peut-être. Bon, ça, c'est le dernier combat que j'ai fait. On va mettre ça à Dynamite. On va pas y aller tout de suite avec Danielson contre Hangman Page. Ce sera un accomplissement de plus ajouter ta liste. Ouais. Merci pour le chandail de Nick Gage. Oh, yeah!
fait plaisir, man. Merci. Content que tu l'as finalement reçu, Gabi. Allez écouter sur la page de C'est juste de la lutte, notre podcast festif des fêtes. Et quand je dis festif, il était festif en tabarnak. Blackout sur la fin, je me souviens de rien. Il a fallu que j'aille le réécouter, mais je suis pas aussi dans un état avancé que Benny. T'attends toujours ta commande? C'est quoi, Mick, que tu t'es commandé? Parce que mon gilet de CM Punk, ça avait été fucking long. Aïe aïe, ça a vraiment été long. Ok, fait qu'on va commencer avec un petit combat en simple, un combat qu'on va avoir ce soir. C'est pas le match qui va voler la soirée. Comme vous pouvez voir, mon roster est très à jour. Et même Hook! Yeah! Matt Sydal! Le sangadaï de Jungle Boy! Oh nice, le chandail de Noël! Très cool! Jilly Tull, Daniel Garcia! Parfait! Toujours pas de nouvelles de Gobani, moi non plus! On va voir s'il va être là ce soir. Mino Suzuki, Andrade, El Idolo, QT Marshall, où es-tu? Où es-tu? On va comment. Ah là voici, le voilà. Hey, on s'entend là que ce match-là, c'est pas mal plus une défaite d'avoir un nouveau membre à la House of Black. En tout cas, je l'espère. On se croise les doigts. Est-ce que Bray Wyatt va faire ses débuts? We'll see about that. Ok, fait qu'on va mettre son combat. En passant, pensez-vous que Hangman Page contre Brian Anderson, ça va être le premier combat? Moi, je pense que oui. Yo, Pee-wee, Voice! 78! Yo! Merci d'être là. Donc, Malakai Black. Parfait. On passe ça, mode simulation. Donc, on est vraiment en pronostic sur le gala de ce soir. Premier Dynamite de l'année 2022. Et un des combats, ça va être Brian Pillman Jr. contre Malakai Black. Là, je suis pas aucun lutteur. C'est l'ordinateur qui va déterminer qui va gagner ce duel. Donc, voyons voir and enjoy some good wrestling. Yann Lafarbadès, si tu viens pas, dernière minute de radio avec ça, ça... Mille, ça gelé solide. Moi, je pense que ça va être Star Page contre Daniel... Ouais, moi aussi, je pense que ça va être Page contre Danielson qui va commencer le gala parce que c'est un 60 minutes. On dirait qu'on a comme spoilé en même temps le fait que si le combat sera encore à 60 minutes, ben il va y avoir trois juges qui vont déterminer le gagnant. Ce qui est le fun avec ce concept-là, c'est que même, mettons, si Danielson gagne, c'est comme pas une défaite. Le fun, une défaite qui pourrait compter pour Hangman Page. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. J'ai hâte de voir aussi c'est qui les trois juges. Ça n'a pas été annoncé. Est-ce qu'on va sortir une légende? Est-ce que genre un Ric Flair, Bret Hart pourrait débarquer à Dynamite ce soir pour être le juge, tu sais? Je sais pas. Et je sais pas si Bryan Danielson va gagner, mais tu sais, en même temps, quand Rampage a débuté, le premier combat, ça a été Christian contre Kenny Omega, puis Christian a gagné. Puis c'était comme une nouvelle affaire, c'était un nouveau programme. Puis Christian a battu Kenny Omega. Ça a été une des seules défaites de Kenny Omega de l'année, là, à part celle contre Hangman Page. Donc peut-être même qu'on va vouloir commencer les choses en grand soir à TBS avec un nouveau champion. Donc voyons voir. Hein, c'est vrai, en plus aussi, si on revient sur ce combat-là, Brian Pillman Jr. qui a dit qu'il allait avoir une nouvelle personnalité. Un Brian qu'on n'a jamais vu. Oh, il arrive tout de suite! Boom! Black Mass en partant! Ah ouais donc! Est-ce que... Je me demandais, est-ce que Brian Pillman Jr., en disant qu'il allait arriver avec une nouvelle personnalité ce soir, pourrait arriver avec un fly-in Brian Pillman Jr.? Ou ben non, Loose Cannon, Brian Pillman Jr. Peut-être un Brian Pillman un peu plus comme son père a été avec la Hart Foundation ou sa rivalité avec Steve Austin. Je pense que c'est ça que ça va prendre à Brian Pillman s'il veut espérer battre Malakai Black, parce que on s'entend que ce sera pas un super long combat. Oh, hello Black Mass, là, bien exécuté. Est-ce que c'est un aperçu de ce qui nous attend ce soir à Dynamite? Parce qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de combats d'annoncer ce soir, hein? Donc on peut déjà dire que Danielson contre Page va aller une heure, plus la décision des juges, on a au moins
65-70 minutes si on inclut les entrées. Fait qu'il va rester ce combat-là qui sera vraiment pas long. Là. Il va nous rester le Tag Team Championship qui va être débile là, entre les Lucha Bros contre Jurassic Express. S'il y a un changement de site ce soir, ça se pourrait que ce soit Jurassic Express. Je verrais pas sinon. Mais moi je pense que si Hangman Page conserve son championnat, on devrait avoir des nouveaux champions par équipe. On a aussi Jade Cargill contre Ruby Soho. Je pense que. Ouais! Oh! Moi je pense que les. Ouais, je le souhaite quasiment, ça fitterait. Ça commencerait bien l'année, tu sais. Ils ont eu une super année, Lucha. Ouais, on voulait dire Lucha Underground. Jurassic Express ont une super de bonne année. Jungle Boy, c'est un des tops en ce moment. Fait que, tu sais, pas le mettre dans le TNT Championship. On pourrait leur donner le championnat par équipe. Je pense que ça pourrait donner une bonne run. Pas extrêmement longue, je pense pas. Je pense que Jungle Boy va finir par partir en solo assez rapidement. Ouais. Mais moi, je pense peut-être dans 5 ans. T'es peut-être un peu tôt en ce moment, là. Ils ont tellement de méga stars, tu sais. Mais oui, ça fait du bien d'avoir un gars comme Jungle Boy. Mais tu sais, on peut pas tous les amener en haut en même temps. Tu sais, là, MJF, il paraît, ça va super bien. Darby Allin. Gargano, oui, mais je pense que ce sera pas tout de suite. Gargano vient de Cleveland. Puis le 26 janvier prochain, le Dynamite va être à Cleveland. Peut-être, ça se pourrait. Mais Gargano, voilà, All Elite Wrestling. Est-ce que Tommaso Ciampa aussi pour aller à la AEW? Je sais pas. Il a perdu son combat. Oh! Le Black Mist! Et là, Brian Pillman Jr. qui réussit quand même les home drag. Je pense que oui. Je pense que toutes les chansons de la WWE, NXT, ça a été fait par eux autres. Mais faut dire que la All Elite Wrestling, ils ont des Christy bons créateurs de musique. Hey, c'est long ce combat-là. Hein? On est déjà rendu à 7 minutes 30. Je pense pas que ça soit aussi long ce soir à Dynamite. Oh ouais, Black finit ça. Là. Oh ouais, grosse série de chop là. Oh, Jeremy! Oh, il s'est bien! Boom! Ça, c'est le meilleur jeu de lutte au monde. Oh boy! 1, 2, 2.9! Wow! Et là, Brian Pillman Jr. qui semble... Wow! Boom! That's it! Malakai Black pourrait facilement... Il est comme tac, tac, tac! Yeah! Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est... Quand t'achètes le jeu, t'as des lutteurs de base, mais qui sont pas connus, mais t'as aussi les lutteurs de la New Japan Pro Wrestling. Mais tous les lutteurs, excusez, c'est ma COVID, que j'ai dans le jeu, je les ai téléchargés sur le net. Il y a un portail, c'est firepro.net, quelque chose du genre, que t'as accès avec ton PlayStation, ton PS User, ton PSM. Puis, mettons, moi, je suis capable de télécharger les lutteurs de la plateforme sur mon cell et ils vont rentrer directement dans mon jeu. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je vais les sauvegarder puis je vais les modifier. Je peux rajouter le tune. Je peux télécharger des faces, des cheveux, des moves, des gears, des logos. C'est vraiment illimité, là. J'ai 4000 quelques éléments dans le jeu. C'est mon jeu est loadé à fond là. Fait que tu sais, je ferai un petit tour d'horizon pour vous montrer là. Mais j'ai. Oh! Ha 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 ha! Ah, Fire Pro Wrestling World. C'est une franchise qui date de vraiment longtemps. Il y avait des Fire Pro Wrestling au Super Nintendo. Il y en a eu en 64. Après ça, moi j'avais joué au PlayStation 2. J'avais joué pas mal à Fire Pro Wrestling Return, mais Fire Pro Wrestling World, là, c'est de la bombe. Puis là, tu sais, tout le ring, je l'ai créé, tu sais. J'étais allé chercher le ring sur le net, j'étais allé chercher les prunes, les coins, tout. Fait que c'est tout custom. Ah, il y a des cordes! C'est tout custom, ouais.
c'est pas super cher non plus, puis il y a souvent des méga deals là, pour les DLC compagnie. Donc j'ai investi beaucoup de temps. Il y en a qui vont passer des milliers d'heures sur Minecraft à construire une ville ou l'Empire State Building. Moi, je fais Fire Pro Wrestling World. Je pimpe mes rosters, les logos. Ils sont tous à jour. Comme, mettons, Gargano, il est plus NXT, moi, là. Il est comme... Je l'ai mis dans mes free agents. Et là, c'est un double down. On a Malakai Black et Brian Daniel... Pas Brian Danielson, mais Brian Pillman Jr. Et là, il réussit à mettre à terre Malakai Black. Boom! Boom! Effectivement, en attendant le jeu de la All Elite, ça fait du bien. Check ça sur Marquette. Ouais. Et là, let's go. On finit ça, ce combat-là. Oh, boom! Yep! Gros kick in the face. Oh! Cours dans les cols. Ah, boom! Kick in the face once again by Malakai Black. Ah non, ok, finis ça, man, finis ça. Oh! Hey, Brian Pillman qui en demande encore. Ah! Come on, les boys. À No Mercy, s'arrêter un. Hein? Hey, ce combat-là, je pensais pas que ça allait être aussi long que ça. Hein? Je pensais que ça allait se finir rapidement. Mais non! Brian Pillman Jr. Oh, neckbreaker! De toute beauté. Oh! Gros kick dans la face. Malakai Black qui reprend le contrôle. Ça va dans les gants! Oh! Big kick in the face! Est-ce qu'il pourrait avoir une intervention de l'extérieur également? Est-ce que quelqu'un pourrait venir... Battle of the Belt? Non, c'est pas un pay-per-view. C'est comme un Rampage. C'est 60 minutes. Ça va être samedi soir. That's it. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas... je pense qu'il va y avoir Cody contre Sammy Guevara. Puis il va y avoir... Rio contre Britt Baker. That's it. Boom! Super kick! Let's go! Oh yeah! That's it! Allez! One more! One more! Malakai Black! Here we go! Black Mass! Alright! Cover! That's it! Un! Deux! Oh! 2.9! Brian Pillman Jr. qui ne se laisse pas intimider par deux Black Mass. Et là, Malakai qui trouve un vilain plaisir. Oh! Oh! Bon reversal! Salut Lionel! Merci d'être là. Petite simulation du show de ce soir, 20h. L'arrivée de la All Elite Wrestling sur TBS. Puis après ça, à 22h15... On va se brancher sur le compte de Benny's Money, la révision des comptes de la lutte. Où on va revenir sur le show de ce soir. Ouais, ben je vais attendre sûrement que le ring va sortir sur la plateforme de Fire Pro Wrestling. Je vais la mettre à jour quand je l'aurai. Mais pour tout de suite, c'est ça qui est ça. Boom! Gros neckbreaker. Brian Pillman qui est toujours en vie. D'après moi, ça va en prendre beaucoup plus pour revenir à bout de Malakai Black. Oh! Close line dans le coin. Petit combo, genou, genou. Coup de pied en plein visage. Double foot stomp! Boom! That's it! On ramène Pillman au centre du ring et on va pour le tomber. Aubrey Edwards, compte de 2 et 3! Voilà! C'est ce qu'on s'attend pour ce soir. Malakai Black. Qui devrait vraisemblablement sortir gagnant de ce combat-là. À moins que Brian Pillman pourrait gagner par disqualification s'il y a une intervention extérieure. Who knows? 71%, c'est quand même un bon combat. Quand même un good fight. Alright. Passons à la simulation suivante. Autre combat qui arrivera ce soir. Et on dirait là que j'ai aucune espèce d'idée qui pourrait gagner ce combat-là. Je l'ai mentionné. Gros combat par équipe. Entre Jurassic Express. Voici Jungle Boy. Il n'y a pas de DQ. Good point.
T'es sûr? Luchasaurus face au champion par équipe. On va aller chercher si j'ai Team Taz, les Best Friends, le Dark Order, Butch and the Blade et les champions par équipe. Penta El Zero Miedo. Il est vraiment bien fait. Ça, c'est beaucoup d'heures de travail. Ben, en tout cas, surtout ceux qui ont créé les bonhommes, là. Moi, je les mets dans mon jeu, puis je les mets à mon goût. Fait que je fais toujours une couple de modifications, là. Et Ray Phoenix, on va les faire entrer en équipe, hein, bien évidemment. Oh, shit, j'ai-tu fait... Oh, j'étais allé trop vite. Je suis allé trop vite. On reprend ça, on reprend ça. Alright. Donc, je voulais aller aux settings. On rentre en équipe. Pas de turn... Ah, on fera pas ça tornado. Il va peut-être augmenter la vitesse un peu, par exemple. Ah, ouais. Ça va être, ça va aller un peu plus vite. On va enlever le tornado. On va mettre des tags. Il y a de la disqualification, des comptes à l'extérieur. Puis ils rentrent ensemble. Alright, that's it. Let's go! AEW Championship. Jurassic Express face aux Lucha Bros. Zero Miedo. C'est plate pour les Lucha Bros que j'adore, mais je pense que c'est le temps pour Jurassic Express. Moi aussi, je pense à ça. Moi aussi, je pense à ça. Ah ouais! Let's go! Ça va être un gros fight ce soir. Gros fight! Et leurs adversaires. Intervention peut-être de FTR. Quand AEW vont venir à Québec, je t'avertis, je suis le premier à chanter leur tune. Ah, tu seras pas le premier, man. On va être tout le monde ensemble. Alright. Il est malade, Penta. Le gars qui l'a créé, là, wow. Il a mis beaucoup de temps. Oh, salutations de la Bretagne. Hello, Zero Miedo. Pour Yannick, merci. Merci d'être là. Petite simulation du show de ce soir. Alors, selon Fire Pro Wrestling World, Malakai Black devrait battre Brian Pillman Jr. Et voici le combat par équipe. Vous avez remarqué que j'ai accéléré la vitesse. Parce qu'un combat par équipe, ça peut être très long dans ce jeu-là. Avec les interventions, les partenaires peuvent entrer à tout moment. Oh! Overhand chop! Et on donne le relais à Ray Phoenix qui entre dans la mêlée. Ray Phoenix puis Jungle Boy, là. Ils vont voler le show à soir, c'est sûr. C'est sûr. Ben! Peut-être pas le show, là. Je m'attends beaucoup à... Boom! 3D! Danielson contre Hangman Page 2 va être de la bombe, là. Mais voyons voir, ce combat-là, ça va être bon. Je me demande, ça va être quoi le main event à soir? Je pense que on va peut-être y aller pour le TBS Championship. Who knows? Moi, je veux un retour de Moxley. Ben, Moxley, il est supposé revenir à la GCW à la fin du mois. Pardonnez-moi. COVID alert, ouais, je sais, je l'ai la COVID. C'est pour ça que je suis à la maison. Et je vais respecter mon 10 jours, même si c'est passé à 5, là, mais je vais rester à la maison jusqu'à mercredi prochain.
j'ai eu tous les symptômes possibles les deux premiers jours. Après ça, c'est la perte du goût et de l'odorat qui m'ont quitté. Tous ces bons plats de maman qui ne goûtent malheureusement à rien du tout. Alright, let's go les boys! Qui va l'emporter? D'après moi, ça va se corser. Ouais, à la fin du mois, ça se pourrait. Knee in the face, the Jungle Boy! Overhand chop, et là on donne le relais à Luchasaurus! Ouh! Luchasaurus qui... Oh! Non, il permet plus! Boom! Cover! One! Two! Intervention de Jungle Boy! Ah. Oh, on a tenté le cutter, mais ça n'a pas marché. Et là, Penta, L0, Miedo, qui s'en va donner le relais. Oh! Boom! That's it! Non! Luchasaurus qui est pas encore mort. Et là, que va tenter Ray Phoenix? Oh! Il est jusqu'à 5. Oh. On a décidé de revenir dans l'arène. Oh! Petit paquet renversement, mais Jungle Boy qui s'en vient aider. Luchasaurus. Power Slam! On dirait que ce combat-là, je suis pas capable de me dire qui va gagner. Je suis pas capable de... Tu sais, oui, les Jurassic Express sont dus. Boom! Super kick! Cutter! C'est autant... Oh! Drop kick! Ray Phoenix à l'extérieur du ring! Et pendant ça, là, wow! Oh! Oh my god! Où ça? Malade! Double foot stomp! Stop rope! Oh, la Canadian Destroyer! Et là, on envoie Jungle Boy à l'extérieur du ring. Boom! Souplesse arrière. On donne le relais à Penta et Zero Miedo. On essaie de travailler en équipe, mais finalement, Jungle Boy qui a le meilleur. Powerbomb! Le Penta, corde à linge. Oh, là, gros super kick. Et Jungle Boy qui en profite pour donner le relais à Luchasaurus. Puis, oh, choke slam! Tombé dans les câbles. Oh, gros powerbomb, on voit pas ça souvent. Boom, échange de coups. Zero, miedo! Super kick! Alright! Oh, on tente le powerbomb, mais c'est renversé par Luchasaurus. Big boot in the face. Oh! On tombe encore un powerbomb, c'est raté. Luchasaurus qui donne le relais à Jungle Boy. Les quatre sont dans le ring. German suplex sur Ray Phoenix. Ouh! Reversal, Ray Phoenix! Oh! Double foot stomp! D'après moi, ça n'a pas connecté pantoute. Oh! Oh! 1, 2, 2.9! Oh boy! Ok, il y a eu une confusion ici, là. Le Ray Phoenix. Oh! Qui revient avec un cold red! 2! Seulement 2! Oh! On a sauvé Penta Zero Miedo d'un choke slam. Boom! Super kick! Come on, Jungle Boy! Running knee in the face. Et là, Jungle Boy qui s'en va chercher sa foule. Oh! Ray Phoenix! Mais on commence à être capable de lander son double foot stomp du troisième câble. I don't know. Mystère. Power Slam! That's it. Let's go! Oh! On verrait pas ça ce soir, hein? Un press slam de... Luchasaurus. Salut Pee-wee, c'est bon animateur sur Twitch que la radio. Thank you! Merci man! Ça va bien? Merci d'être là. Mystère et boule de gomme. Luchasaurus qui amène Penta L0 Miedo dans son coin.
On l'isole de Rey Fénix. Là, Penta devrait aller donner le relais, là. Oh! Big chop! Lucha, Zaris, ça va au centre du ring. Le relais pour Rey Fénix. Jungle Boy qui entre dans l'action. Boom! Oh! On inverse! Un! Luchasaurus n'était pas bien loin. German Suplex. On travaille bien en équipe, là. Autre super kick. Boom! Le cutter. Boom! Tabarnouche est serré. Boom! Un, deux! Ah! Luchasaurus qui est arrivé à la toute dernière seconde! Et là, Rey Fénix qui en profite pour envoyer Jungle Boy à l'extérieur du ring. On a plein les bras avec Luchasaurus. FTR qui vont se mêler à ça. Ça se peut bien. Ça se peut bien. Ça se pourrait. Et là, pendant ce temps-là, l'officiel qui compte jusqu'à 20. Fentel Zero, Miedo qui remonte dans le ring. Et Jungle Boy de justesse. Quelle combinaison ici! Oh! Ouais, dans le jeu, tu peux mettre des comptes de main. Oh, là, échange de super kick entre les deux. Tu peux mettre des comptes de 10 ou des comptes de 20. Trigger! Oh! Running knee in the face! Package Fall Driver! Alright, là, il est épuisé, là. Dans les câbles. J'ai aucune idée qui va gagner ce combat. Oh! Le spinning wheel kick. Le Luchasaurus. Et là, on donne le relais. Les Lucha Bros. Deux contre un sur Luchasaurus. Oh! Canadian Destroyer! Et le Rey Fénix qui se prépare. Oh! Cutter! That's it! Oh, et là, Luchasaurus va donner le relais à Jungle Boy. Et là, Rey Fénix qui s'effondre. On tente de le tomber. Deux. Oh, Penta Zero Miedo qui arrive à la toute dernière seconde. Et là, tout le monde est au sol. Jungle Boy, 450 dans le dos à Rey Fénix. On le relève. Super kick en plein visage. Genou en plein visage. Wow. Et, whoop. On tente... Qu'est-ce qu'on va tenter sur le top rope? Oh! Meteora! That's it! 1, 2, 3! Victoire! Des Lucha Bros! Est-ce que ça va être le résultat de ce soir? Ça se pourrait! Ça se pourrait! Pour le savoir, il faut être là à 20h à TBS! Alright, fait que selon Fire Pro Wrestling World, les Lucha Bros vont gagner sur Jurassic Express. Donc, Jericho va être là ce soir, probablement CM Punk, MJF, ça va être un gros show. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est le combat pour le championnat de la All Elite Wrestling, Bryan Danielson face à Hangman Adam Page 2. Alright, c'est parti. Donc, c'est ce soir, ben oui, c'est ce soir, la All Elite, le mercredi. It's Wednesday night, you know what that means? Level 10, on va peut-être diminuer la vitesse un peu. Et c'est parti pour le main event. Ben, est-ce que ça va être le main event? Ça pourrait être le premier combat de la soirée. Mais, d'après moi, ça va être le premier combat. Parce que ça peut aller à max 60 minutes. Avec trois juges qui n'ont toujours pas été confirmés. Est-ce qu'on pourrait assister à un retour d'une légende? Bret Hart était venu présenter le All Elite Championship au début de la AEW.
que Ric Flair pourrait être là ce soir? Est-ce que... non, j'ai pas envoyé mon CV. Malgré, je pense qu'ils ont une équipe francophone. Plus chez nos cousins français. L'aspirant au titre. T'as dit aïeul, c'est pas moi qui contrôle. Vraiment. Eggman, Adam Page. The champ. Le combat tant attendu ce soir. C'est incroyable, hein? Le premier duel, les gars avaient pas sué pantoute. Ils avaient bien canalisé leur énergie. Yes, yeah, c'est Otto. Je suis en mode simulation. Je veux savoir qui pourrait gagner les combats ce soir. Donc, je veux être impartial. Adam Page. All right. Salut, Jameson. Ça va, buddy? Bonjour, Jimmy. Bonjour. Oui, bonjour. Alright, qui gagne ça entre Bryan Danielson et Hanman Page? Hey, je te parle. Ok, ça. T'as bien apprécié, hein? Apprécié le show? Yeah, go boy. Let's go! Moi, je vais avec la prédiction suivante. Ça va se finir avec les juges. Après 60 minutes, on n'a pas teasé les juges pour rien, là. Ça va se rendre à 60 minutes. Les juges vont délibérer. Il va y avoir un juge qui va nommer Bryan Danielson gagnant. Le deuxième va nommer Hangman Page. Et le troisième, c'est lui qui va faire toute la différence. Oh! Oh, yeah! Buckshot Lariat! Oh, on y va avec un tombé rapide, là. Je vais avec... En vrai, je ne sais pas encore. Je vous donne mon pronostic plus tard. Oh, Enziguri! Close line par Hangman Page. Est-ce que le combat va durer aussi longtemps que celui de Malakai Black et Brian Pillman Jr.? Whoop, boom! Kick in the face! Oh, il retourne encore! Boom! Oh, et là, Hangman Page qui est déjà tadé à 5 minutes dans le combat. Let's go. On ramène Danielson. Ouais, William Regal a été remercié avec une coupe d'agents. Mais c'est plus des gars qui sont en arrière-scène, comme Scott Armstrong et... Brian Armstrong. Ben, Road Dog a été remercié aussi. Mon jeu préféré sur Steam. Man, j'avais commencé à jouer sur Steam, mais dès qu'il est sorti au PlayStation, ben c'est sûr que j'ai un ordinosaure, fait que c'est pas très pratique là, pour jouer à ce genre de jeu-là. On dirait que même avec des manettes, tu ferais mieux une manette de PlayStation. Alright. Hop! Oh! Quand Hangman Page amène son adversaire dans le coin, ça peut souvent dire qu'il va faire le Buckshot Lariat. Oh! Saito Suplex! Oh, et là, Bryan Danielson qui sort sa technique, travaille la main! Boom! Ah ouais, le bras! Whoop! Whoop, whoop! Oh, gros chop! Et d'après moi, ça va faire une collision. Voilà. Qui va gagner ce duel ce soir de 60 minutes? Y a-t-il une application que tu peux utiliser pour linker ta manette de PS3 et 4 à PC? Et, ok, il y a une application. Ça se peut que je suis vraiment pas un expert en la matière. Wow! Level lock! Hangman Page, 30 rangs vers les cordes! Oh, road break! Mais même assez qu'un ordinosaure, j'aime quasiment mieux. Tant qu'à faire jouer au PlayStation. Et là, Bryan Danielson aussi qui semble épuisé.
On est à 10 minutes dans le combat. Les deux lutteurs sont déjà exténués. Oh, est-ce qu'on... Ah. Oh! Leather lock! Vers les cordes! Rentre vers les cordes! Ouais, t'as ta manette direct en Bluetooth. En fait, t'as pas besoin. OK. Ben, ouais, il joue PlayStation. Et là, on revient avec le Leather lock. Est-ce que Hangman Page va abandonner? Non! Mais moi, c'est même pas un ordinateur, c'est un laptop. C'est un vieux laptop. Boom! Et on y retourne encore! Boom! 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 Kick in the face! Encore! Level lock, let's go! Hangman Page, et là, on abandonne! Les gagnants du combat et nouveau champion All Elite Wrestling selon Fire Pro Wrestling World, Bryan Danielson, The American Dragon. Ok, donc je vais maintenir ce pronostic-là. Bryan Danielson, nouveau champion de la All Elite Wrestling ce soir. Mais ça va pas se finir comme ça. Ça va être... on va aller aux juges. On a trop teasé les juges. Ouais, je sais, mais... Ah, je ferai pas le rematch là-dessus. Malgré qu'il pourrait avoir un 3... La All Elite Wrestling sont forts sur les troisièmes matchs. T'sais, on a eu Serena Deeb contre Hikaru Shida 3. On a eu... quel autre match 3 on a eu il y a pas longtemps? Pac contre Andrade. Ça a été le troisième duel entre les deux. Donc, alright. Donc, ça fait le tour pour ce petit aperçu de Dynamite ce soir. Donc, manquez pas ça. C'était à 20h sur TBS. Il y a des moyens de le voir sans être un peu trop légal, mais ça, je vous dirai pas comment. Et après ça, à 22h15 sur la chaîne Twitch de mon ami Benny's Money, je vais être là pour faire un petit résumé du gala. On va être grunqué, ben raide. Sûrement un peu tipsy pour faire un retour sur le show. Donc, merci d'avoir été là. Je devrais faire des Twitch plus souvent. Je vais me discipliner à revenir. Non, c'était pas personne qui a cogné à la porte, Jimmy. C'est moi qui ai cogné sur la table. Je fais ça de même. Là. C'est tout pour énerver un chien. Ça, puis une sonnette de porte. All right. Fait que faites attention à vous autres. Je réalise que parler longtemps, c'est pas super bon pour ma COVID. En tout cas, je vous souhaite jamais de perdre le goût et l'odorat. Tabarnouche que ça soque. Sérieusement, là, ma mère m'a fait des petits pâtés à la viande. Puis, un coup réchauffé au micro-ondes. De un, je le sens pas pantoute, je sens rien. Et je ramasse la marde de chien, puis ça, je le sens pas. J'ai pas besoin de goûter, j'ai pas essayé. puis... C'est fucké parce que tu sens la texture en bouche. Tu sais, mettons un pâté à viande, c'est doux, c'est moelleux, c'est parfait, c'est la vie avec une croûte croustillante. Je mets du ketchup là-dessus. Là, ça ajoute une belle fraîcheur. Puis en bouche, tu sens juste le chaud, le froid, mais t'as pas le goût. C'est sérieusement, c'est vraiment fucké. Je souhaite ça à personne. Je sais pas, il y a des gens qui m'ont écrit que ça s'est revenu après 3-4 jours. Moi, je suis rendu au jour 3 que j'ai plus de goût, plus d'odorat. C'est vraiment de la... Je vais dire, c'est la crise de la marde. Mais, ce que je fasse. On va vivre avec. Mais si tu veux, il y en a que ça prend 6 mois. Il y en a qui c'est pas revenu encore. Donc, pour l'instant, je goûte plus rien. Mais, je détecte le chaud du froid. Ouais, t'as le goût d'aller jouer dehors, hein? Tu veux aller jouer dehors, Jimmy? Tu veux aller jouer dehors? Tu veux-tu qu'on aille lancer le frisbee? Oh oui, ça y tente, hein? Avant Dynamite, parfait. On va aller le faire courir un petit peu. Puis, si ça vous tente, la page de Benny's Money pour la révision des comptes de la lutte vers 22h15. On va être en direct pour faire un retour sur le Dynamite. Donc, je vous rappelle, selon Fire Pro Wrestling World, Malakai Black va battre Brian Pillman Jr. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau membre dans la House of Black? Ouais, ça va être qui? T'allais le dire? C'est qui va être dans la House of Black? C'est-tu Bray Wyatt? Tu veux-tu voir Bray Wyatt à soir, Jimmy? On veut tous voir Bray Wyatt ce soir. Donc, peut-être qu'il y a un nouveau membre. Il y avait Brody... comment il s'appelle, donc? Il était en équipe. C'est champion par équipe à la PWG. C'est pas Brody Lee, là, évidemment. Là. Brody King! Ouais! Est-ce que Brody King va faire ses débuts ce soir?
Peut-être. Ensuite de ça, selon Fire Pro Wrestling World, on aura des... On va garder les nouveaux des champions avec Lucha Bros contre Jurassic Express. Et Bryan Danielson devrait battre Hangman Adam Page selon Fire Pro Wrestling World. Mais pour savoir la vraie affaire, ben c'est ce soir que ça se passe, 20h, DBS. Merci d'avoir été là. C'est Pee-wee qui a sa révérence. Je vais aller boire encore plus d'eau. Je vais aller soigner ma COVID. Puis on se retrouve très, très, très bientôt. Sinon, à 11h30 demain à Choix pour le show du midi avec Robbie, Camille, Carbo. Ça va être vraiment le fun. Donc, faites attention à vous autres. On s'en parle plus tard. All right! Salut! Bye!